les artistes, comment ça va? Donc on se retrouve pour une pocket letter aujourd'hui, pocket letter que je dois envoyer cette semaine. Donc on est dimanche, je dois l'envoyer pour mardi, donc on va dire que vous aurez la vidéo en fin de semaine. Pour mardi 18, je précise. Donc vous aurez la vidéo quelques jours après. Donc, une pocket letter. Vaut mieux se répéter que ne pas du tout se répéter. Une pocket letter. Donc moi, j'achète mes pockets en stock. Comme ça, dans les rayons cartes Pokémon. Là, vous voyez, là où il y a les classeurs Pokémon à collectionner, les cartes à collectionner Pokémon et tout ça. Donc c'est là que j'achète moi à Cultura. C'est 4 euros quelque chose le paquet de 10, il me semble. Alors je vais toutes les enlever et je vais les ranger dans mon classeur. Alors pour rappel, donc du coup elle se présente comme ça. Il y a 9 cases. Ouf. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9 cases. Et dedans, à la base, c'est pour y ranger des cartes Pokémon ou des cartes à jouer, en tout cas des cartes à collectionner. Et nous, les scrappeurs, oui, on va dire les scrappeurs, parce qu'on a des hommes aussi, on a décidé que c'était pour ranger des cartes qu'on enverrait aux copains et aux copines. Ou pas pour faire des petits cadeaux. Donc là par exemple vous en avez quelques-uns que moi j'ai reçus, que j'ai faites aussi. Il y en a quelques-unes que je garde, cette page c'est celle que je garde de côté. Et puis voilà celle que j'ai qu'on a reçue auparavant. Donc je les range tout simplement dans un classeur format pour format A4. Donc voilà, ça c'est rangé. J'ai sorti la mienne. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement les cartes à jouer. Moi, j'ai pris un peu d'avance parce que j'étais en long week-end chez ma soeur et tout ce que j'ai pu faire, c'est découper des cartes. Donc, découper des cartes, je ne me souviens jamais. Mais c'est 6,4 par 8,9. J'avais pas mes pochettes avec moi. Je vais juste vérifier qu'elles sont bel et bien au bon format. Si je trouve le sens de la pochette. Voilà. Donc elles sont au bon format. Donc pile poil. Donc j'en ai découpé 9. Et j'ai fait les tamponnages. Là, ce qu'on va faire ensemble, c'est l'aquarelle. Donc, on se retrouve sur le bureau. Vous allez voir mes petites mains. Youp! You can get up. Donc, voilà, elle se présente comme si. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Voilà. Hop, hop. Voilà, donc moi j'ai utilisé, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez pas. Les tampons, en plus c'est pas très bien tamponné, je l'avais fait dans la nuit de hier soir. Les tampons Schwenflower Concept Home. J'ai Concept Home Salon 1, Concept Home Cuisine 1 et Concept Home Salle de Bain 1. Je sais pas pourquoi il y a des 1, il y a peut-être des 2, je sais pas. Donc voilà. Et j'avais imaginé les peindre à l'aquarelle. Alors, mon mari est en train de vider la voiture, parce que malheureusement, lui, il n'est pas venu avec nous, hein. Moi, je suis partie avec mes 3 enfants. Et lui, il n'a pas pu venir. Donc là, je lui laisse le soin de vider la voiture. Donc je voulais les faire à l'aquarelle. Et pour ça,
Je voulais utiliser un combo de verre. Alors, est-ce que j'avais pensé utiliser cette palette-là? Je sais plus. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais utiliser mon vert galaxie, mon vert océan. Ou Galaxy, Zest of Blue et Midnight. Je sais pas. Est-ce que j'ouvre une autre palette? Est-ce que je les mixe avec les néocolores? Allez, non, sinon ça me fait trop de choses. Et puis je vais garder le mon réservoir d'eau. Il est plein ou pas? Oui. Donc voilà, je commence par mouiller ma palette. Et bien sûr, si c'est bon, mon spray. Je croyais qu'il était lui aussi parti en voyage. Mais lui, il est là. Donc voilà, donc il y a une des cartes. Donc j'ai fait un nuancier sur l'une des cartes. Donc c'est pour répondre au défi de chez Scrap avec moi. Et c'est le défi Pocket Letter en mai, fais ce qu'il te plaît. Là, je prépare mon jus pour voir si c'est pour avoir un petit peu l'intensité des couleurs que je vais utiliser. Je vais vous montrer de suite. Là, c'est pour ce vert-là. Je me prenne un autre carandache avec une pointe un peu plus épaisse. Donc, ces deux-là, c'est bien. Et du coup, est-ce que je vais venir avec la galaxie? Peut-être pas. Et du coup, je voulais rester vraiment sur un combo de vert. Parce que en mai, fais ce qu'il te plaît. Et ben ce qui me plaît, moi, c'est le vert. Allez, c'est parti. Voilà mes nuances du bonheur. Voilà pour l'un. Pour l'autre. Et voilà mes trois nuances du bonheur. Voilà, ces trois nuances là, ça va être chouette. J'ai sorti un autre réservoir d'eau, mais les mines sont kiff. Je ne sais pas ce que ça va donner. La vie est une fleur dont l'amour est le miel. Ça, donc c'est une des phrases de la planche Chou and Flower, j'ai pas son nom. Alors, est-ce que mes planches sont pas sorties? Vous voyez, c'est cette planche là. Attendez que je regarde. Hop. Je regarde de suite. Bougez pas. Parce que les Chou and Flower. C'est La vie est une fleur. Celle-là. D'ailleurs, qu'il faut que je nettoie. Voilà. D'ailleurs, j'ai d'autres Chou and Flower qui doivent pas tarder à arriver. Bah, je vous en dis pas plus. On verra ça lors d'un haul. Donc, tout simplement, je viens faire un lavis ici. Hop. Ça va sécher gentiment. Et cette carte, je n'ai pas encore réfléchi. Soit je la fais en memory deck, soit je la laisse en carte. Et derrière, j'écris mon mot. Je ne sais pas. Je vais reproduire ici mon nuancier. Le vert. Et je vais venir mettre du vert clair sur toutes les surfaces que je voulais en clair. Alors du coup, j'ai choisi mon truc, mais j'ai pas choisi ce que je devais coloriser.
Alors avec mon verre clair, on va faire la table, pourquoi pas. Et les petites ampoules. Sur celui-là, le vert, ça va être l'abat-jour. On reviendra dessus après s'il faut. Ici, ça va être le petit vase vert là. Ça semble pas mal. Sur le fauteuil, ça va être les oreillers. Ils sont mis comment là? Il y a un plaid. Est-ce que je vais faire pas le plaid? Allez, je fais le plaid en vert clair. On zeste of life. Alors la palette de Marlène, elle est top parce qu'elle a des noms. Les godets ont des noms super. Vous avez la couleur lipstick, donc rouge à lèvres. La couleur sunset. La couleur, c'est mieux de prendre juste le nuancier. Un zeste de vie. Zest of life. Ocean. Galaxy. J'ai mis de la couleur dessus, donc bare skin. Donc la peau claire. Pink pixie. Floral magic. Bohemian. In the navy. Et midnight. Donc voilà. Pour le vert clair, ici, on va mettre le mot aquarelle en Zest of Life. Et on va venir. Qu'est-ce qu'on va faire en vert clair ici? Le bonheur est fait maison. Hop. Là, on va prendre le petit pot. Voilà. Il y a la grande et le petit qui est venu, qui sont venus. Donc du coup, on va commencer à entendre brailler. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire, mais ça fait un mélange. Ici, je l'avais pas rapporté. Et puis, je vais venir du coup faire la réunion de famille. Hop. On a fait ici le petit fauteuil. Je vous montre. J'ai pas l'habitude parce que du coup c'est la première fois que la caméra tournait dans ce sens. Il faut juste que je prenne l'habitude. On va faire pareil pour ce fauteuil, cette chaise du moins. Ça ressemble bien à chez moi, hein. Je vous le dis entre nous. Le vert foncé que j'applique là, c'est plutôt mon mur qui est de cette couleur. Mon mur est vert émeraude.
Voilà. Ici, ça va être la bouteille, et ça, c'est sûr, parce que c'est pareil, j'en ai une comme ça. Tu confirmes, Ena? Tu confirmes que le mur est vert émeraude? Non, tu t'écoutes pas ce que je dis? C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave si tu regardes pas, t'es pas obligé. Le fauteuil ici, on va le mettre en vert aussi. Hop. C'est chiant parce que du coup vous êtes en cours de jour. Hop, là ici c'est le petit salon. Pour info, je les ai tamponnés à la Versafine Onyx Black, mais comme c'était mon petit godet de Versafine, il n'y en avait plus dedans. J'avais emmené juste un tout petit verre, un tout petit pad de Versafine, et du coup, bah, les enfants, dès qu'ils s'ennuyaient, ils ont fait aussi des tampons Chou and Flower, parce que j'avais emmené que ça, les concepts Home, et du coup, c'était le petit pad qui commençait déjà à être fatigué. Donc, on l'a épuisé. Et ça ressort un peu gris. Parce qu'en même temps, je l'ai fait sur du papier aquarelle. C'est du papier aquarelle Canson. Là, ici, je viens refoncer un peu avec très peu d'eau. Et en utilisant uniquement la pointe du pinceau, je viens faire les zones d'ombre pareil avec en refonçant un peu. Dalia, ce serait bien que tu fermes la porte des escaliers, s'il te plaît, parce qu'on entend tout. Qui se passe. Et puis, dans la cuisine, qu'est-ce qu'on peut faire en verre? Quoi, ce truc? Qu'est-ce qu'on peut faire en verre de ce verre-là? On va y réfléchir. On va y réfléchir. Pour le moment, je vais faire les petites feuilles là du petit coin calme, les petites feuilles avec le vert plus foncé, le vert galaxie. J'oublie pas de rapporter ici la couleur sur mon nuancier. Et du coup, de venir aquareller les petites feuilles tranquillement. Hop, ici. Ah, ici, ça va être aussi ça. Je pense que cette petite carte-là, je la referai puisque ici, ben, comme il faisait nuit, j'ai mis mon tampon à l'envers et du coup, j'ai tamponné l'arrière du tampon au lieu de tamponner le dessin. Et je me suis dit, je vais réussir à le rattraper. Sauf que non, je ne réussis pas à le rattraper.
Donc séparer, je viens faire du même vert. Ici, là. Pour les petites fleurs toutes 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 fines, je pose seulement le pinceau sur les fleurs. Je vais aussi venir faire le mot zen, pas en vert foncé parce qu'il est fin le mot et ça ressortira pas. Là, je vais faire le cadre, le contour du cadre, du moins. Autour du cadre. Ça me fait sortir un petit peu de mes sentiers battus, parce que là, du coup, enfin, un petit peu, vraiment un petit peu, parce que j'utilise des couleurs quand même que j'aime, j'utilise la palette que j'aime, mais de faire de l'aquarelle vraiment sans tout colorer, de temps tout aquareller. Venir vraiment que par petites touches, c'est pas habituel. Pas du tout habituel. Et puis on va remettre le coup de verre ici. Le frigo aussi. Pas la cuisine de mes rêves, mais j'en ai vu une verte sur un catalogue. C'était magnifique. Je montre à mon mari, il m'a dit oui, ça te ressemble. C'est tout. C'est tout ce qu'il a dit. Il a pas dit oui, on va faire une cuisine comme ça. Non, il n'a rien dit de plus. Donc, je sais pas. On va choisir la cuisine, si ce sera la cuisine que j'ai vue. Bah, juste dire, ça te ressemble, effectivement. Mais sans plus. Je suis désolée quand j'aquarelle, comme plein de petites choses, je ne parle pas beaucoup. Je sais que c'est mieux quand on parle. Hop. J'essaye ici de fondre un peu la couleur parce que j'en avais mis un peu trop. Donc l'avantage de mon pinceau Carandache, c'est qu'il y a des boutons. Tout, tout, tout. Et on appuie dessus, ça nous envoie de l'eau en quantité voulue. Et puis ici, je voulais venir refaire un peu de vert sur le contour. Est-ce que j'en ai encore sur mon pinceau? Ouais. Petite cuisine.
Alors, de loin, ça fait pas très joli parce que je colorise, mais j'aquarellise vraiment pas toutes les parties de la même teinte d'eau. Hop. Et puis, on va faire un petit mélange des trois. Ça va me donner un autre vert. Hop, ici, en tout cas, un petit vert un peu feuille pour venir faire les petits mots. J'ai mélangé la première et la seconde. Ça m'a fait un petit vert feuille. Pour les petits mots, ici, il y avait menu du jour. Je vais reprendre un peu de vert foncé pour faire les petites feuilles ici. Voilà. Et le washi qui est là. Parce que vous savez, sur l'un de ces tampons, il y a un washi. Je ne sais plus lequel. Est-ce que c'est bien les concepts? Home ou c'est le tampon avec, je sais plus. Vous avez un petit tampon de washi. Je crois que ça en est sur un autre. Je sais plus. Bref, j'avais emmené toute ma boîte chou and flower. J'avais envie de faire du chou and flower chez ma soeur. J'ai pas eu le temps à part de tamponner. Vous voyez, juste hier soir. Hein. Parce que ma soeur, elle s'est dit, ah, je vais plus revoir bébé pendant longtemps, je vais te prendre un peu dans les bras. Et du coup, j'ai dit, tu me prends un peu dans les bras. Et ben, chiche, je vais aller faire des tamponnages. Et du coup, je me suis dit, au lieu de tamponner pour faire un art journal, autant tamponner pour faire ma pocket letter. Parce que sinon, je vais pas avoir le temps de la faire. Je dois aussi faire un ABC pour le défi de Camille. J'aimerais bien participer au concours de Graziella sur sa chaîne. Il faut que je fasse un ABC aussi. Ou il faut que je fasse un ABC deux en un. Pour le concours et pour Graziella en même temps. Ouais, je vois. Donc, je vais reprendre juste un petit peu de vert Zest of Life. Je vais venir faire le petit cœur qui est là, pour le remettre en relief. Il y en a un autre ici et je crois qu'il y en a un autre sur une chaise. Voilà, juste là. Hop là. Voilà. Oh, le petit tabouret. Zest of Life. Super. Franchement, super. Est-ce que je veux... Ouais, si je veux masquer, regardez. Hop là. Voilà. Un petit peu de feuillage. Bon, bah écoutez, ici, il faudrait juste que je mette un petit verre sur la hotte. Du coup, j'aurais dû faire un mélange de galaxies. Un petit mélange de galaxies et de océans. Ça donne quoi? Petit mélange des trois. Voilà! Top! Top fashion! Ok. Ah merde. C'est bon. Pardon pour le gros mot. Et oui, c'est moi. Alors, celui-là est sec. Donc celui-là, je le laisse tel qu'il est. Je vous remets un petit peu plus près. Ouh, pas près comme ça, dis donc, voyons. Du coup, ça fait tout tomber. Je mets à l'intérieur. Ouh là là, la vidéo fait 30 minutes. 30 minutes d'aquarelle.
Ici, il y a eu une connerie de fait. Force de vouloir aller vite. Ici, c'est sec. Et pas trop sec d'ailleurs. On va laisser sécher tout ça parce qu'en fait, je suis en train de faire des bêtises. Là, c'est sec. Ici, on va attendre. Là, c'est pas sec. Là, c'est pas là, c'est ok. Pense que je vais mettre là-haut, ici. Voilà, et qu'est-ce que je vais mettre dans cette pocket letter? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai pas pensé quels sont les cadeaux que je vais pouvoir y glisser. Je vais, comme à mon habitude, mettre des breloques. Fais-moi une breloque. Des breloques que vous avez vues dans ma petite vidéo sur AliExpress, puisque je voulais tourner aussi le même jour. Mais cette vidéo-là, vous la verrez plus tard, du coup. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme breloque qui s'y apparente un peu ici? Hop, je vais mettre un petit éventail pour sûr, un petit perroquet. Que ça, j'en ai des tonnes. Petit perroquet. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez pas, bien sûr. Un petit perroquet. Un petit perroquet, l'éventail et ici j'ai une pochette où je mets toutes les breloques que ça me dérange pas de donner. Donc j'ai des, vous voyez là, j'ai un perroquet, j'ai des squelettes, des machins, et du coup je vais lui mettre une petite Converse, hein, parce que c'est pareil, les Converse, j'en ai plein. J'en ai plein, plein, plein. Je vais pas faire une ATC breloque quand même. Parce que là, il y en a beaucoup des breloques. Je connais pas trop la strappeuse qui va recevoir ces petites choses. J'ai pas fait de checker. De carte checker, j'avais pas envie, j'avais envie que ça reste tout simple. Donc je cherche ce que je veux mettre dans ma pochette et je reviens de suite. Donc voilà, je l'ai préparé, j'ai mis hop ce que j'avais sous la main parce que sinon je vais pas réussir à m'en sortir. Mes enfants ont aussi besoin de leur maman. Donc voilà la pocket letter. Donc je vous montre 3 par 3, les 3 premières du haut. Celle-ci c'est mon ATC, vous allez voir. Les 2 du milieu et les 2 du bas. Voilà. Et donc du coup, bah, les cadeaux, j'ai mis, je sais plus combien de centimètres j'ai pas, j'ai fait au pif. J'ai mis des fleurs en tissu où elle pourra mettre des perles au milieu ou broder ou je. Qu'elle a envie, peindre, coller.
Donc ici j'ai tamponné donc mon tampon là de chez Carabel Studio, ATC, petit trading scar, mon nom, voilà. Les breloques, j'ai mis les tamponnages que j'avais sous la main aussi, donc parce que j'avais pas le temps d'en refaire. Du coup, bah, j'ai mis les tamponnages des familles ours Scrap Didi que j'avais sous les mains et quelques découpes. Donc voilà, ma pocket letter est prête à partir. J'espère que ça lui fera plaisir. Je ne sais toujours pas si je fais une memory dex ou si je la laisse en carte. Je vais y réfléchir. Et puis, j'ai fait une ATC. Je pense que je vais faire une memory dex. Je ne sais pas. Et puis, où je la laisse en carte? Peut-être que je la laisse en carte. Je vais juste écrire Green Mood ici, là. Ouais, je vais la laisser en carte et je vais rajouter juste. Hop, hop. Je vais rajouter deux petites perles. Oh, comment ça s'appelle? Les Nuvo. Je mets trois petits morceaux de nouveau. Je vais couper la petite étiquette là que j'ai sous la main de chez Scrap Didi, qui m'avait été offerte par Scrap Didi. Et je vais y aller. Bon, la colle elle va pas venir vu qu'elle est sur la fin. On va mettre celle-ci. I'm coming soon. Et ici, je vais mettre un mot, je sais pas quoi encore. Pas, il y a plein de choses que je sais pas parce que c'est comme il n'y a pas de thème, c'est en mai fais ce qu'il te plaît, moi ce qui me plaît ben, c'est chez moi, chez le vert, c'est tout ça quoi. Donc je vais mettre un joli petit mot ici. Voilà, avec plaisir. C'est tout ce qui m'est venu, mais ça veut tout dire. Ma foi, je suis très contente de ma carte. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'essaye la verre Saphine Claire sur les quatre verres qu'il y a. Je vais faire un tour à Carglass dès que ce sera ouvert pour aller voir. Bref, j'adore. J'adore le verre. Je ne sais pas vous, mais c'est magnifique le verre. La vidéo, elle fait 40 minutes. Allez, bisous!